Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à Live Lane pour suivre ce match. Pierre Ménès est avec moi, comme toujours, il me suit partout, je ne comprends pas pourquoi. Saint-Étienne face au PSG, match très attendu par les supporters. Oui, même si on peut penser que les Parisiens sont plus forts, on se souvient notamment du... Et la voilà la frappe. Ce sera un corner pour Saint-Étienne. Allez, le corner est... Wahbi Khazri, encore un corner. Excellent plongeon du gardien sur cette action. Le corner. Il choisit la frappe. Ce sera un nouveau corner. Oh, magnifique! Le gardien, bien joué! Le corner en direction du point de pénalty. Les dangers qui s'éloignent, c'était pourtant bien donné. Davinson Sanchez. Khazri. La frappe, le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Ah, il dégage ce ballon en touche directement. Gabriel. Khazri. Mbila. Yanis Salibur. Martinez. Ah, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Maxime Lopez. Pjanic. Ah oui, c'est bien fait ça. Harry Kane. Alex Telles. Ça aboutit finalement à cette perte de balle. Gabriel. Rémi Cabella. Yanis Salibur, un petit peu d'espace pour centrer. La défense qui va pouvoir souffler un peu avec ce long dégagement. De Bruyne. Ils construisent, ils font tourner. Pjanic. Oui, le joueur est bel et bien hors jeu. De peu, mais hors jeu. Mbila. Yanis Salibur. David Luiz, Kevin De Bruyne, Thomas Meunier. Ouais, le 1-2. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Kevin De Bruyne, est-ce qu'il va pouvoir centrer? Il centre pour Kane. Non, pas de souci pour le gardien. Bon, la tête n'était pas assez appuyée, je pense. Mbila. Rémi Cabella. Platenhardt. Rémi Cabella. Oui, il va centrer là. Oui, la frappe. Et c'est renvoyé par le poteau. Partie du public qui reproche à l'arbitre de ne pas avoir sifflé pénalty. Ah, il pouvait mettre une option sur la victoire, mais le cadre a décidé autrement. Maintenant, pas sûr que ça continue longtemps comme ça. Attention, hein. Le centre en retrait. Le ballon dégagé au large. Rémi Cabella. À noter que le ballon risque de fuser un petit peu parce que la pelouse est détrempée, hein. Allez, attention sur les prises d'appui aussi.
David Luiz. Pjanic. Maxime Lopez. Pjanic. Harry Kane. Kevin De Bruyne. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Alex Telles. Ah, oh, pas du tout cadré. Non, et honnêtement, vu comment il s'y est pris, ça risquait pas. Hein. Mathieu Debuchy. Alex Telles. Voilà, je ne sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Mauro Icardi. Gabriel. Ouais, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Ouais, bien vu Icardi, bien donné. Hors-jeu devant de Percy. Ouais, c'est vu et sifflé par l'arbitre. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Harry Kane. Alex Telles. Kevin De Bruyne, Thomas Meunier, Mauro Icardi, De Bruyne. Ouais, bien centré De Bruyne. Mathieu Debuchy. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Yanis Salibur. Est-ce ce ballon qui traîne? L'arbitre qui vient de siffler. C'est reparti pour 45 minutes. Les Parisiens qui engagent. Alex Telles. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Harry Kane. Ah ben, l'intervention, changement de possession. Gabriel. Mathieu Debuchy. La passe aérienne, pas mal. Hors-jeu, il est parti trop tôt. Mauro Icardi, Kevin De Bruyne, Thomas Meunier. Oh, il y a du monde autour de lui. Allez, il faut qu'il fasse le bon choix. Allez, il faut le mettre celui-là. Oh, l'arrêt du gardien, magnifique. Ah, c'est incroyable, Hervé. C'est un arrêt de handballeur qu'il vient de nous faire. Super. Le corner en direction... Oh, ça frôle le cadre ! Il n'a pas voulu la jouer en force, il aurait peut-être dû. Kevin De Bruyne. Pjanic. Mirlem Pjanic qui a représenté deux pays en sélection. Il prend sa chance. Et voilà, il y est. L'ouverture du score dans cette rencontre. Et ça, c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une réaction du côté d'en face. Mais il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. On va être vite fixé, Pierre. On revoit ce ballon extraordinaire qui amène le but. Ah, t'as raison, Hervé. C'est vraiment un service dans des conditions idéales. Le plus dur a été fait. C'est sur ce ralenti. C'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant.
C'est le PSG qui mène. Mbila, Sanchez, Timothée Kolodziejczak. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Yanis Salibur. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Pjanic. De Jong. Ah, si personne n'intervient, si personne ne vient presser, ça peut continuer longtemps comme ça. Pjanic. Allez, peut-être une bonne occasion. De Jong. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. Ballon en touche pour l'AS Saint-Étienne. Il va y avoir du mouvement dans l'équipe parisienne, Pierre. C'est Thomas Meunier qui cède sa place sur le terrain. Kimwe Bakayoko. Kazri. Rémi Cabella. Oui, le joueur est bel et bien hors-jeu. De peu, mais hors-jeu. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Ouais, une passe ratée, ce n'est pas son habitude. Ça profite à Saint-Étienne. L'arbitre fait signe de jouer. Oh, c'est bien donné en profondeur. Oh, l'égalisation ! L'égalisation, Pierre ! Ouais, ouais, les joueurs ont su créer le danger et profiter d'un petit peu de suffisance, peut-être, dans le camp d'en face. On voit que le gardien touche le ballon. Mais ça n'a pas suffi. Ouais, à quelques centimètres près, il pouvait espérer mieux. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. Et voilà donc à égalité, un but partout. Kevin De Bruyne. Harry Kane. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Kimwe Bakayoko. Kimwe Bakayoko. La passe est interceptée. Les dangers qui s'éloignent, c'était pourtant bien donné. Il va y avoir du mouvement dans l'équipe parisienne, Pierre. Ah, Hervé, on a vu l'entraîneur consulter son staff avant de se décider. Kevin Monet-Paquet, Hassan Diossé. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Dylan Vente. Harry Kane, ouais, un bon ballon d'attaque. Ce ballon qui est dégagé. Mathieu Debuchy. Pjanic. Pjanic. Rémi Cabella. Kazri. Martinez. Hassan Diossé. Mathieu Debuchy. Kevin Monet-Paquet. Et la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Pjanic. Le long de la ligne de touche. Ouais, il repousse, ça joue. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Kazri. Rémi Cabella. Il centre vers ses partenaires. Le ballon qui sort avec un corner à venir donc. Très bon match hein, de Rémi Cabella jusqu'à présent, avec de très bonnes stats personnelles, on le voit. Il participe à presque toutes les occasions de son équipe en jouant sur des qualités qu'on lui connaît, à savoir sa vision du jeu et sa capacité à donner le ballon au bon moment. D'ailleurs, il a délivré une passe décisive dans ce match. Allez, il faut centrer, c'est le moment. Thiago Silva qui dégage.
Kevin De Bruyne. Dylan Vente. En retrait pour un coéquipier. Le gardien qui repousse. Attention! Allez, une touche bien placée pour le PSG. De Jong. Pjanic. Petit aveu d'impuissance, hein, quand même, que cette frappe très lointaine. On fait tourner le ballon dans la moitié de terrain adverse. Beaucoup de maîtrise technique. Est-ce qu'il va centrer? Harry Kane. Pjanic. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Ah, il ne se pose pas de questions. Long dégagement. Alors, match nul à l'issue des 90 minutes. Est-ce qu'on va en rester là ou pas?